Le ministre d'État en charge de l'habitat vient d'effectuer une visite de travail à la Société nationale immobilière. Au responsable de cette entreprise, le ministre Michel Menga a demandé plus d'actes car les Gabonais n'attendent que des logements confortables à des prix abordables. Stevie Oyanmezui, Richard Moubiwa pour le reportage. C'est alors conscient de la lourde mission qui lui incombe et nécessite beaucoup de pragmatisme que le ministre d'État veut reposer sur les structures sous tutelle fiables et efficaces. C'est ainsi que l'on peut résumer la visite de Michel Menga Mission dans les locaux de la SNI, Société Nationale Immobilière, au moment où le patron de cette administration veut relancer les différents chantiers arrêtés et permettre aux Gabonais de bénéficier de logements décents tels que souhaités par les pouvoirs publics. L'ASNI, c'est une marque déposée au Gabon. Quand on parle de logement au niveau de l'État, on voit immédiatement l'ASNI. Les Gabonais n'attendent que des logements confortables, pas très chers. Ils attendent des lotissements qui soient mis à leur disposition de façon à pouvoir élever leurs enfants et de pouvoir mener leur vie. Nommé le 4 mai dernier, le membre du gouvernement a conscience non seulement des difficultés, mais également des attentes de la population. Il promet ne ménager aucun effort pour impulser une dynamique ayant pour finalité l'obligation des résultats. Chacun de nous doit jouer sa partition là où il se trouve et le faire en son âme et conscience pour que le travail qui lui est demandé se fasse avec le maximum d'efficacité. Et d'essayer de tourner le dos aux habitudes, à ce que les Gabonaises et les Gabonais nous reprochent, c'est-à-dire de faire tout sauf de s'occuper d'eux. Je viens d'échanger avec le directeur général de la SNI. Je crois que je ne voudrais pas aller trop vite en besogne, parce que, vous savez, je préfère que nous soyons le directeur général de la SNI avec ses collaborateurs, que nous parlions très peu, mais que nous agissions beaucoup. Pendant ce temps, l'ASNI multiplie les rencontres avec les opérateurs économiques pour définir les stratégies intégrant le nouvel ordre urbanistique.